J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. La vie c'est dur, là les chutes dures. Je recoupe la pure, faut faire des ronds, un cœur de as. J'sais pas, j't'aime pas, tu m'aimes pas. Bravo, bref, faut faire du pif, on a intérêt. Donc parlons-en. Yo tout le monde, c'est Technis. On se retrouve en hiver, il fait froid. C'est pour ça que j'ai mis tout ça, d'ailleurs j'ai enlevé tout ça tout de suite. Voilà. On se retrouve pour la FAQ. Je réponds à vos questions. Et voilà, on va faire des trucs comme ça. Il y a même un petit défi, j'ai vu. Ça va être plutôt pas mal. C'est parti, je commence par la première question. On va prendre la première question qui est de Luca. Pourquoi Technis? Alors, pourquoi Technis? Parce que, non, plus sérieusement, Technis, parce que comment vous dire que avant, enfin, comment te dire plutôt que avant, j'avais un compte sur PS3. Je m'étais nommé. Attendez, faut que je me retrouve. Technis Mode, je crois que c'est. Et genre. C'était un petit délire avec des potes et tout, et on s'était tous fait un compte, on va dire à peu près Kikou, avec un pseudo de cheater. Et sauf que moi c'était pour MW2, Call of Duty Modern Warfare 2, pas trop précis, et on faisait des CFG dessus. Et vu que moi j'avais presque tout le temps de CFG, il y avait pas de monde qui m'a tout en ami, j'avais l'impression d'être populaire, un youtubeur populaire. Bon, c'était un rêve, voilà. Un rêve d'un France 4, c'est faites un don à cette personne désespérée qui va se suicider après cette vidéo. Et ouais, c'était pour faire un petit délire avec des potes et y avait beaucoup de monde qui me demandait un CFG. Et donc je le faisais et puis voilà, c'est parti comme ça. Parce qu'au départ aussi je voulais changer de pseudo parce que c'était trop compliqué Laser Dream et HD. Donc ça faisait un peu beaucoup du coup, vous voyez. Donc alors Technis est plus court et super radical, Technis Gaming, mais j'étais obligé d'adopter Gaming, parce que pour faire la chaîne, voilà. C'était plus facile, on va dire. J'ai pris Technis parce que ça m'était mieux, je trouvais ça mieux. Et je trouvais ça plutôt banal, pas mal, pardon. Et voilà. Deuxième question de Kefkorn. Pourquoi tu m'aimes? Troisième question de Johnny2300. Peux-tu me dire ta config de ton PC? As-tu une copine? Si oui, quel est son nom, son adresse et son num? Et si c'est bon, bah voilà. Pêche, te kiffe, rip mon orthographe. Merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. J'ai fun du cœur de la gravette qui fait clic. Donc je vais commencer par ta première question. Peux-tu me dire ta config de PC? Ma config de PC sera dans la description. Voilà. Je vais pas la dire dans la vidéo comme ça. C'est j'ai de la flemme en fait. Voilà. C'est un boîtier pas Kerbel, carte mère Gigabyte GA-BU85M HD3, je te dis tout. Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 960 OC 2 Go, voilà, ça fait toujours plaisir. Processeur Intel Core i5, ça fait toujours le plaisir. Les barrettes RAM G-Skip kit externe 3,8 Go, voilà, ça fait toujours le plaisir de la crevette. Disque dur SSD, j'ai un disque dur SSD aussi et un autre disque dur de 1 Tera. SSD de 128 Go, ok, bon ça va, ça fait passer des bons jeux quand même. Et après j'ai un autre disque dur normal dans le Tera comme j'avais dit. Voilà. As-tu une copine? Si oui, quel est son nom? Non, je n'ai pas de copine. Et son nom? C'est ma vie! C'est ma vie! C'est ma vie! C'est ma vie! C'est votre question de MrType3302. Je crois que j'ai bien dit ton pseudo, j'espère. Quel est ton jeu vidéo préféré, ton manga animé préféré et ton personnage de JOT préféré? Pour ceux qui savent pas ce que c'est JOT, c'est Game of Thrones. Voilà, ça fait toujours mon plaisir. Mon jeu vidéo préféré, pour l'instant, c'est un tout nouveau, enfin un tout nouveau jeu, on va dire. C'est Fallout 4, j'ai un gros coup de cœur sur ce jeu et je le torche depuis, on va dire un mois entier bientôt, voilà. Franchement, on va dire bientôt un mois que je torche Fallout 4 et franchement ce jeu, bon, ouais. Il est super, je trouve super, voilà. Ton manga animé préféré. Manga animé préféré, on va dire High School of the Dead. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mettrai dans la description. Vous verrez, c'est du zombie mélangé, du gore, du ecchi, et, ou je sais pas comment ça se dit, ecchi ou quoi. En gros, c'est, t'as des meufs un bikini et tout, je te préfère. Ou c'est, ça se rapproche d'une... ça se rapproche d'une... Voilà, je peux pas forcément dire ça en vidéo. Et quel est ton personnage de... Game of Thrones préféré? Donc moi c'est Tyrion, mon personnage préféré, Tyrion Lannister. Oui je sais, vous allez tous me taper. Non mais franchement, Tyrion, je trouve super, c'est tout, c'est mon préféré. Et comment redire que lui c'est le gentil des Lannister, on va dire. Le plus gentil des Lannister. Celui qui n'est pas le traître. Celui qui ne tue pas tout le monde. Celui qui essaye de rétablir les choses. Ou pas. Mais voilà. Suivante. Avgame. GG mec. GG Athes 300 subs. Merci. Athes. C'est pas une question. C'est pas grave. Merci beaucoup. Prochaine question. IRL Leco. Pourquoi tu fais de bonnes vidéos?
Reroll Jenkins, moi. D'accord, j'ai fait un petit peu exagéré, mais je fais des bonnes vidéos parce que t'en fais des mauvaises. Non, je fais des bonnes vidéos parce que, bah, comment te dire que quand je fais une vidéo, je veux absolument que ça vous plaise et que quoi qu'il y ait dans la vidéo, c'est pour rendre la vidéo un peu plus stylée, un peu plus, je sais pas comment vous dire, que la vidéo c'est un peu plus intéressante, un peu plus marrante quand je rajoute des effets ou quoi. De base la vidéo, vous voyez, il y a que du gameplay, il y a des gens qui parlent, et si je rajoute des trucs, ça fait rire normalement. En fait, ça fait pas rire, c'est parce que vous avez pas d'humour, et c'est parce que mes vidéos sont nulles, mais apparemment elles sont bien. Suivante question de Rayvax Denis. Denis, voilà, je te connais super, c'est mon petit Philo, voilà, je répétais deux fois petit, c'est mon petit Philo, et oui, ça fait un moment que tu n'as pas mis un commentaire sur des vidéos, et ça fait toujours le plaisir que tu sois ici, tu es un de mes meilleurs crevettes, bon, on va dire que c'est un poteau, qui est, voilà, un super poteau, et il me demande, t'aimes bien tes abonnés, donc, oui, j'adore mes abonnés, sauf ceux qui me DDoS, voilà, sauf ceux qui me DDoS, mais sinon, j'adore mes abonnés, vous êtes au top, continuez comme ça, restez comme vous êtes, ça fait super plaisir. Et ben, si vous pouvez grandir, ça me ferait encore 10 fois plus plaisir. Mais là déjà, 300 personnes, ça fait le plaisir qui fait tout, le petit cœur, tu vois. Même si j'ai pas eu 300 commentaires, 300 vues ou quoi. Merci encore beaucoup à vous, ça c'est le fond de cœur. Et bah ben, encore merci à tous et merci à toi, mon petit Philo. Le Philo nous, j'ai fait déjà le Mamadou Philo. Voilà. Suivante question de Bayonet Vidéo. Quel est ton meilleur souvenir et ta première console de jeu? Mon meilleur souvenir, c'était quand je suis tombé au bord de la piscine et que je me suis ouvert le palais. Ça fait toujours plaisir. Non, je déconne, mon meilleur souvenir, c'était... Pas vraiment le meilleur souvenir, en fait. Mon meilleur souvenir, c'est avoir fait une partie d'Airsoft dans la nuit nocturne. Et c'était mon coup de cœur. Après, j'ai peut-être des trucs plus gros que ça en meilleur souvenir. Mais franchement, je sais pas, j'ai pioché comme ça. Mais pour l'instant, mon meilleur souvenir qui est tout frais, c'est une partie d'Airsoft dans la nuit. Et c'était vraiment, mais énorme. Oh là là, c'était un truc de fou. Une partie Airsoft nocturne, c'est le top. Éclairé juste par la lune, c'était... trop top. Tu as une question de Red Skillogs qui marque pourquoi j'ai que 14 abos. Mais parce que t'es nul. Non, je rigole. T'as que 14 abos parce que il faudrait que tu fasses divers contenus au lieu de faire du Minecraft ou du Call of. Je crois que tu fais du Call of. Il faudrait que tu fasses des meilleurs commentaires et que, voilà, t'essayes de faire un petit peu de pub, tu vois, sur les réseaux sociaux ou quoi. Ça fait toujours un grand... Tu gagnes toujours quelques abonnés, ça, tu perds rien. Et, mais essaye de faire des meilleurs contenus. Essaye de dire pendant tes montages, si tu fais des montages, bien sûr, que tu vas... que tu as envie de faire plaisir à tes abonnés. Et comme ça, bah, tu leur demandes... Enfin, tu leur demandes rien, mais juste en mettant la vidéo en ligne, ils vont vouloir te faire un peu de pub et dire « Regarde, ah, mon... » Et ils vont dire à leur pote « Regarde, il a sorti une nouvelle vidéo, ils vont regarder. » Et voilà, c'est tout simple que ça. Suivante question de Dubrijo Gaming. Salut à toi, mon Cooper. Salut la crevette. Quel est ton logiciel de montage? Quelle est ta vidéo, tes vidéos préférées, je sais pas comment t'écris. Ton youtubeur préféré, défi, mange du pain mouillé avec de la moutarde, fais-le citer, le King Crevette, allez Darby Switch, j'ai pour tes 300 abonnés. Merci beaucoup, ça fait toujours le plaisir de la crevette qui frétille. T'es mon coupé, avec ton frère, bien sûr, les jumeaux, c'est ma best, voilà, c'est ma best friend. Et ça fait toujours le plaisir. Alors, quel est ton logiciel de montage? Mon logiciel de montage, c'est Sony Vegas Pro 13. Voilà. Quelle est ma vidéo préférée? Ma vidéo préférée, j'en ai pas vraiment, mais c'est les MLG et les YouTube Poops. J'en ai plusieurs. MLG et YouTube Poops, ça me fait tellement rire. Surtout les vidéos de Panormal. Quand tu regardes Fail Army, oh là là, qu'est-ce que je rigole. Ça fait toujours le bon plaisir. Hein. Ton YouTubeur préféré, mon YouTubeur préféré, ça restera Squeezie, bien sûr. Et un petit défi, mange du pain mouillé avec de la moutarde. Fais-le si t'es le King et Crevette, bah voilà. Oui, je vais essayer si j'ai du pain et si j'ai de la moutarde. On se retrouve tout de suite. Mais t'as cru toi, tu aurais jamais faire ça, mais t'es fou, je vais pas faire ça. En plus on est le matin, j'ai pas du tout envie de manger ça, et je bosse, mais je suis en stage, donc j'ai pas trop envie. Mais t'es malade après, tu vois, ça fait toujours le plaisir, je suis désolé. Je ferai le défi mineur, tu vois, parce qu'en fait j'ai pas des trucs non plus. Désolé, je t'aime quand même. Suivante question, Voltboy22, mon petit pote qui est tout nouveau de la communauté de la crevette. Voilà, tu peux rendre l'argent aux abonnés. Je veux bien. Mais déjà, faut que j'en gagne. Et la dernière question qui est de l'écho SV.
quelle est la taille de ta chambre? Mais bien sûr, de ta chambre. Allez, d'un bisou. Alors, d'un bisou à toi. Eh, la taille de ma chambre, c'est... Non, je sais pas combien fait ma chambre. Et voilà, j'espère que la FAQ pixelisée vous a plu sur l'ancienne vidéo que j'ai montée tout entièrement avec le bonhomme et tout, que j'ai fait moi-même, le bonhomme en 3D, en 2D, je sais pas comment, en 2D. J'ai fait entièrement moi-même, le montage aussi, j'ai galéré pendant toute une après-midi juste pour faire 38 secondes exactement. Et franchement, j'ai eu des bons retours, 66 vues, ça fait un peu bizarre, il manque plus qu'un 6, ça fait le chiffre de voilà, mais bon, bah les steaks, ça fait toujours du bien à gagner. Encore un grand merci à vous, merci pour vos questions, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ça va être un bisou et tenez-vous bien, ça fait toujours le plaisir. N'oubliez pas le commentaire, le like, ça fait encore le plus grand plaisir. Et sur ce, tchuss.